Bonjour Sandrine. Bonjour David. Bonjour à tous, bonjour pour ce nouvel essai d'une moto que l'on connaît presque bien, elle n'est pas toute récente, une Benelli, la fameuse marque italienne de 1911. Oui, bon, alors un petit bémol parce qu'elle a été rachetée en 2006 par un chinois, Kuang Zhang. Donc c'est conçu en Italie, designé en Italie, mais fabriqué en Chine comme beaucoup de modèles aujourd'hui. Et caractéristique quand même par rapport à toute la production habituelle que l'on a le droit de voir de la Chine, qui s'est beaucoup améliorée dernièrement. Benelli a vraiment fait un effort ces dernières années pour remonter d'un cran. Ça se voit, on a ici une petite 400, un petit monocylindre. On a l'impression d'une grosse en fait, d'une grosse 600. 500-600 on va dire, mais oui. Donc une bonne finition pour ce type de modèle. On a le Benelli ici sur le guidon, on a le Benelli incrusté dans les poignets, on le retrouve le Benelli sur la selle, on retrouve le petit Impérial, parce que c'est l'Impérial 400, discrètement sur le réservoir. On retrouve l'Impérial avec des petites étoiles ici. C'est une moto qui est franchement bien finie et puis look rétro oblige, on a les jantes à rayons. Et ça ajoute vraiment à ce petit côté un peu sympa, sans compter ses poignées pour les sacoches éventuelles ou pour mettre un tendeur ici, et puis la poignée passager old school un peu ici. Mais on le retrouve même à l'arrière hein, avec un feu un peu old school, etc. Cette machine est vraiment sur le plan design cohérente dans sa globalité. Oui. Et puis mine de rien, un gros réservoir, une selle qui est particulièrement large, enfin surtout pour le conducteur, et puis des grandes roues. Hein. On n'est pas habitué à voir sur ce type de moto un peu vintage une roue de 19 pouces à l'avant, une de 18 à l'arrière. 19 pouces à l'avant, c'est presque une roue de trail, donc ça va donner cette maniabilité aussi très spécifique à la moto. Et puis une selle sur la fiche technique très abordable, 780 mm, c'est bas. On se dit super. Et on alors se dit super sur la fiche, et quand on monte dessus, en fait elle est large. Donc c'est bien pour que quelqu'un comme moi d'1m60, c'est très bien pour toi 1m70, mais on n'a pas les deux pieds à plat de toute façon, mais on est ce qu'il faut, sachant qu'en plus le poids, 205 kg à sec, il ne se fait pas sentir. Poids bien équilibré, donc il ne se sent pas même à basse vitesse ou pour les petites manœuvres. Oui, on le sent juste en fait quand on pousse la moto dans le garage, mais effectivement après ça donne une moto qui est en fait très légère, qui se manipule avec les deux doigts sur la route. Alors le réservoir il fait 12 litres seulement, quoi, on a l'impression que c'est pareil, qu'il est bien, quoi grand, 12 litres. Par contre c'est très bien parce qu'en conso on a constaté 5 litres à peu près au 100, ce qui fait une autonomie de 120-230 km, ce qui est tout à fait dans les normes pour une moto. On est au prix d'une 125 et c'est un peu la caractéristique en fait. Qui va acheter ça? Un modèle à deux ou quelqu'un qui a envie de faire un peu de ville avec une moto un peu cossue, un peu d'histoire mine de rien, on l'a dit, Benelli 1911, et puis aller un peu sur cette vague néo-rétro. Alors que oui, pour le prix d'une 125 chez certains japonais, donc c'est là que ça peut faire l'intérêt. Bon alors, et du coup, en termes de moteur, tu trouves que c'est mieux qu'une 125 ou pas? Ah bah oui, t'as quand même une 400. Alors, 400, attention, on a un 374 cm3, donc presque 400. Un bon gros monocylindre, hein, ça se voit bien quand on est à l'avant. Et c'est là où est le bémol, parce qu'on se dit une 400 quand même, ça doit envoyer un petit peu... on a 21 chevaux, alors c'est pas énorme, hein, on est à 15 chevaux au max sur une 125. On a 29 Nm de couple et aux environs de 4500 tours minute, donc c'est pas non plus énorme, d'autant plus qu'en fait, le couple maximum, il est pas loin de la zone rouge à 6000 tours. Et effectivement, on le verra pendant l'essai juste derrière, il faut un peu la tirer dedans. C'est pas sur ses premiers tours minutes qu'elle est la plus confort ou qu'elle emmène. Et puis après, derrière, on a deux bons gros amortisseurs. Et puis, on a une béquille centrale, donc c'est assez sympa. Déjà, elle est facile à tenir. Et puis après, elle se met vraiment avec... on appuie à peine dessus pour la mettre sur position centrale. Ça, c'est le petit point pratique. Voilà, on a assez parlé sur toute la partie technique. On va faire un tour avec? Bah oui. Alors c'est David qui vous entendra à la caméra, mais je l'ai aussi essayé et je suis d'accord avec ce qu'il vous raconte. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec une selle à 780 mm, mais assez large, ce qui fait que je fais 1m70 et pourtant les deux pieds ne posent pas entièrement à terre maintenant. Voilà, on a l'impression d'être sur une 125, même le petit mono qui s'ébroue. Semble vraiment hyper léger, c'est vraiment rigolo. On trouve un petit compteur très hyper lisible, même sous le soleil, sous les yeux.
Alors, on parle de rétro et de vintage. Pour autant, on a toutes les informations avec un double trip partiel, un totalisateur, même une jauge à essence et puis le rapport engagé. Et quand on part, eh ben, on a tout de suite une maniabilité impressionnante parce qu'on fait un tour sur un rond, vraiment à vitesse très très lente, sans aucun effort. Et puis, hop, le freinage au frein arrière, c'est moins qu'un ralentisseur. Il faut vraiment écraser la pédale pour sortir quelque chose. Et puis, il ne faut pas hésiter à tricoter rapidement du sélecteur. Le rapport engagé, il est bien pour ça. Et puis, c'est une petite moto qui accepte justement de tirer dedans parce qu'en fait, sous les 2005-3000, on peut, hein, malgré le monocylindre, il est volontaire. Mais c'est au-dessus qu'elle se sentira le mieux. Et on grimpe comme ça tout de suite à 6000 tours alors qu'on est à 40 km/h sur le premier rapport. Maintenant, encore une fois, ça balance très très bien. Si on a besoin de doubler une file de voiture, ben c'est pareil, on se faufile très facilement. La moto n'est pas large, hein. On est vraiment sur un modèle tradi et avec un freinage qui ne surprendra pas un permis à deux. Et puis au moindre virage, il y a quand même un petit peu de patate. Mais on sent plus quand on dit que le couple max il est à 5000 tours. Ouais, il faut vraiment arriver à 5000 tours pour sentir quelque chose et il faut faire attention, notamment en duo, quand on est sur un Dodane, parce que eh bien, ça tape direct. Autant en solo, le confort, il est sympa, c'est une bonne petite moto. On sent que c'est pas juste une 125, c'est un peu bizarre de dire ça, ou une palissade, on a une 400. Mais la différence de chevaux et de coupe sont pas si extraordinaires que ça. Hein. On a 6 chevaux de plus qu'une 125. Donc il faut un petit peu taper dedans pour arriver à grimper. Avec une zone rouge qui arrive très vite à 6000 tours, même si elle accepte d'aller jusqu'à 7000. Et c'est quand on arrive sur les Dodanes justement, ou qu'on commence à rouler un petit peu plus dans les virages, qu'on s'aperçoit qu'on a deux amortisseurs qui bougent un tout petit peu et il faut pas hésiter pour freiner à vraiment prendre les freins aussi bien à l'avant qu'à l'arrière pour mettre gaz. Et on entend bien le petit mono dès qu'il dépasse les 6000 tours. Alors autant c'est pas très gênant pour le pilote, le passager lui l'entend beaucoup plus derrière. On a vraiment les flûtes traditionnelles. On a un joli son hein, pour un 400, on n'a pas un son de crécelle, on a quelque chose d'un petit peu grave, qui est assez sympathique. Et puis quand ça tournicote un tout petit peu, qu'on enchaîne, voilà. Vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre le frein avant à pleine main. On n'a qu'un simple monodisque à l'avant, hein, 300 mm certes. On ne peut pas dire que ça soit un feeling extraordinaire, mais il est simple. Et on s'habitue à saisir vraiment à le saisir très très fort, de la même manière qu'on n'hésite pas à tricoter, hein, parce qu'on n'est qu'à 70 km/h au bout de la seconde. Et on sent que le moteur il commence à taper au-dessus, hein, franchement. Et il reprend doucement en dessous de 2000-2005, il n'est pas hyper volontaire. Et encore plus en duo. Ben, il ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même une moto à sec qui fait 205 kg, auquel se rajoutent les 12 litres de carburant, plus en duo avec la passagère. Et c'est un petit peu la limite. C'est une moto qui est beaucoup plus agréable en solo, avec son petit rupteur à 7000 tours, qui permet mine de rien, en 3, d'aller titiller un 100 km/h, voire un 110 km/h, en sachant que de toute manière, on est sur une boîte courte, hein, enfin, on est surtout sur une boîte à 5 rapports, et où le cinquième et dernier rapport est surtout quasiment un overdrive, en fait, quand on est sur le plat. Mais si on a besoin de prendre un tout petit peu de vitesse, on n'hésitera pas à redescendre en 4 en fait, plutôt que de rester sur la 5 qui est vraiment très longue. Alors là, on a le compteur vraiment sous le soleil. Il est hyper lisible. C'est toujours agréable d'avoir autant de lisibilité. Et aussi bien pour le contour, et de nuit, ça sera exactement pareil,
que le compteur de vitesse à proprement parler, avec des incrustations LCD qui sont pas très très grandes. Et malgré tout, les incrustes sont bien faites. On voit bien également la jauge à essence et puis le rapport engagé en très gros. Et c'est vrai que de temps en temps, on se dit « Ah, je passe déjà la vitesse suivante » et je suis, en fait, on se retrouve assez rapidement, en tout cas sur voie rapide, sur le cinquième et dernier rapport, où on se retrouve à 120 juste à 5000 tours minute. Et où on peut aller taquiner un bon 130 à 6000 tours minute bien lancé, voire aller taquiner les 140 km/h compteur, limite 150 une fois qu'on est bien lancé, ce qui nous amène plutôt à 140 km/h. Et la machine est plutôt saine tant qu'on reste en ligne droite et sur des grandes courbes, y compris en duo. Et c'est aussi une petite moto qui s'en sert très bien au niveau des genoux et du réservoir. La position est agréable, on sert bien le réservoir et de façon simple. Un réservoir qui paraît même beaucoup plus gros que les 12 litres annoncés. On a des motos avec des tout petits bidons minimalistes. Alors que ici, on a l'impression d'un bidon qui fait au moins 15 ou 17 litres. De la même manière qu'on est étonné de retrouver une grande roue 19 pouces à l'avant. Même un 18 pouces à l'arrière, voilà, pour une petite cylindrée qui n'est pas un trail, c'est assez important. Et puis une moto légère, maniable, avec laquelle on ne se fait pas peur, qui prend facilement de l'angle. Et en fait, si on pousse un tout petit peu le petit moteur, on peut vraiment l'amener à ses limites, voire aller faire frotter les cale-pieds. Bon, là, il faut pousser un tout petit peu. Et puis là, la moto va se dandiner beaucoup plus. Donc, bon, faut plutôt rouler cool avec ce type de moto. Et c'est vraiment son emploi du temps idéal. Rouler cool en ville, faire de l'urbain. Et puis voir du périurbain, encore une fois, parce qu'on est capable de dépasser allègrement des vitesses légales autoroutières. Et pour une consommation qui reste très, très raisonnable. Bon, alors j'ai conduit cette moto, mais j'ai aussi fait le passager. Eh ben, les avis sont complètement, quoi, sont très différents. Ici, quand vous êtes là, il n'y a pas de problème de confort, le bruit, c'est impeccable, les suspensions, on ne va pas dire que c'est de la Rolls, mais vous absorbez les chocs. Vous vous mettez ici, la position, ça va, la poignée, elle est derrière, mais il n'y a pas de souci, tout va bien. Par contre, les amortisseurs, ils arrivent tout de suite en compression maximale dès que vous passez un dodane ou des pavés, donc vous reprenez tout dans le dos, donc ça c'est pas génial. Et le petit son du moteur qui vous paraît quand vous êtes ici, vous vous dites oh c'est un bon petit son old school, juste ce qu'il faut, la bonne dose. Et alors ici, quand le pilote en plus accélère et est dans les 6-7000 tours, vous vous en prenez plein la tête. Là les bouchons d'oreilles sont obligatoires sous peine de représailles ultérieures. Une note, on va dire, pour la ville. Comme de toute façon, c'est une moto pour la ville, je vais lui mettre un 15 sur 20. Bon, ben alors, t'en as pensé quoi? Parce que, mine de rien, tu l'as utilisé plus de 2 semaines au quotidien. Je trouve que c'est une super petite, une bonne petite 400, pour, principalement pour la ville. Parce que c'est vrai que, pour le budget d'une 125, on a un moteur qui est quand même un peu plus puissant. Elle a un look rétro super sympa, une finition qui est tout à fait correcte. Et je trouve que du coup, on se fait plaisir sans se faire peur, le poids, la hauteur de selle, qui est parfait pour les petits gabarits. Donc, idéalement, voilà, pour la ville, parce qu'après, dès qu'on veut arsouiller, ça bouge un petit peu. Dès qu'on veut prendre l'autoroute à 130 et haute, bah, y a pas de protection, le moteur, il hurle tout de suite. Donc, non, ville et petit périurbain, mais par contre, oui, ça vaut largement une 125 classique. Bon, et puis c'est un moteur qui commence à avoir quelques années, qui a été un peu éprouvé. Je te rejoins, c'est franchement pour un A2 qui n'a pas envie de mettre un gros budget et qui a envie d'avoir une moto au look sympa avec un peu d'histoire malgré tout avec la marque Benelli. Ben voilà, c'est une moto à considérer, à aller essayer, oui. À comparer éventuellement avec d'autres modèles sur le marché parce qu'il y en a. Bah oui, une Royal Enfield de la Météor. Ouais, la Météor 350, c'est grosso modo les mêmes puissances à un cheval près. Les volumes sont
sont pas du tout les mêmes. Hein. Benelli, c'est 60 000 motos. Alors, 60 000 motos, c'est plus que certains constructeurs européens. Mais Royal Enfield... 400 000. Ouais, c'est 400 000 motos. C'est l'Inde, c'est tout le marché indien. C'est l'Inde. Et puis, la 350, c'est le modèle phare en Inde. Et d'ailleurs, cette Benelli a été clairement sortie pour concurrencer la Royal Enfield sur son marché en Inde. Et un petit peu moins pour nos contrées, d'autant plus que Benelli travaille actuellement sur des cylindrées bien supérieures. On vous a même parlé d'une 1200 cm3. Et puis après, il y a d'autres modèles franco-français qui sont plus après des Robagé, mais qui peuvent également rentrer dans cette catégorie de poids, de prix, de performance en 400 cm3. Je vous invite à l'essayer vous-même, à vous faire votre avis. Ça sera principalement une moto à deux, ou comme le disait Sandrine, une seconde moto. Ouais, c'est un peu plus sympa d'aller avec une 400 chercher le pain qu'avec une petite 125. Voilà, vous avez aimé cet essai, on vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Et on vous dit très vite, bien sûr, pour un nouvel essai. À très très vite, ciao. À très, très vite.